micro. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui étaient déjà là sur la session du matin. Donc, pour répondre à la petite question, oui, ça marche. Donc, rassurez-vous, hein, on arrive. C'est juste que le démarrage prend toujours un tout petit peu de temps. Ça s'appelle le monde réel. Voilà. Et bonjour à Vadim qui m'a dit bonjour aussi sur le chat, C'est ça, bonjour, qui est toujours là. bonjour aux gens qui sont souvent là, bonjour à Ouais. Daniel, bonjour à Daniel aussi, Vadim, ouais. bonjour à Daniel aussi encore, Philippe, Pierre, Pascal, Chris, etc., etc., bonjour Alexandre, bonjour Marco. Bienvenue donc à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous venez dans le live, profitez du petit chat pour dire bonjour et première fois, comme ça on saura que c'est votre première. Et les fois suivantes, ben on vous saluera tout particulièrement parce qu'on fait un peu des dédicaces, on aime Ouais, bien. bah, c'est vrai que ceux qu'on voit tout le temps ou qu'on voit souvent. Bonjour Bruno, Bruno je le connais, c'est un Ah, collègue. c'est un collègue, Ouais. bonjour Bruno alors. Aujourd'hui, donc, je reçois Kevin Cassis Lib de son pseudo. Absolument. J'aurais jamais dû dire ton prénom pour les gens. Ouais, bah ça y Je est, suis c'est désolé, ma vie c'est privée est ah foutue. là là, j'ai dévoilé Batman. Allez, Batman. Que j'ai déjà reçu lors d'une session précédente sur laquelle on avait parlé tout particulièrement de caricature, parce que moi je le connais au départ de là, de la caricature, de la photo, enfin, du dessin. Et c'est un mec très talentueux. Je vous fais passer un petit lien parce que j'aime bien. Il nous avait fait une caricature, il le savait pas encore, mais du futur président des États-Unis d'Amérique. Voilà. Et durant cette session, ben voilà, il était venu nous présenter ses talents-là. Mais en fait, il en a plein d'autres. Et oui, bah moi dès que c'est de l'image, en gros, je pense que j'ai essayé au moins une fois et si ça me plaît, j'ai continué. Et à vrai dire, la photo, je crois que j'ai commencé avant, en tout cas sérieusement, j'ai commencé avant le dessin. Même si ça fait depuis tout petit que je dessine, mais je me suis acheté un appareil, un réflexe avant de commencer à dessiner un petit peu sérieusement et d'envisager d'en faire mes études. Parce que du coup, t'as fait tes études dans la photo. Pas du tout. Du tout. Ah oui, non, c'est le dessin que t'as Dans le fait. dessin, ouais. Ouais, c'est Mais ça. donc avant de me dire, tiens, je vais faire mes études dans le dessin et je vais essayer d'en faire mon métier, j'étais déjà fan de photos et du coup j'ai acheté mon premier réflexe à 15 ou 16 ans, je crois, après avoir économisé un petit peu longuement. Ouais, il faut toujours ça. Et c'était bien. Et grâce à mes parents aussi, puisque du coup eux prennent des photos depuis que je suis tout petit et avaient des réflexes quand j'étais petit et donc j'ai un peu baigné quand même dans la photo et dans l'image Ouais, donc depuis petit. t'as eu l'occasion de pratiquer, de voir pratiquer sans doute aussi, Ouais. et du coup de t'imprégner un petit peu de tout ça, parce que je pense que c'est aussi important d'avoir sinon des révélations, mais des... Bah au moins ouais une en tout cas d'avoir l'habitude des boîtiers des choses quoi, des objectifs. Alors du coup comme ils étaient sur réflexe je voyais qu'il y avait différents objectifs que on pouvait changer que ça faisait pas pareil dedans etc etc voilà. Bon à l'époque c'était de l'argentique donc c'était il n'y avait pas le résultat aussi instantané que maintenant mais c'était déjà un premier pas dans le truc quoi. Bonjour à Max qui est là depuis la première fois. Depuis la première fois? Depuis la Ah non, première non, fois. non, c'est sa première, C'est c'est sa sa première première. fois. Ah oui. Toute Autant première pour moi. fois. Bien, Bonjour Max. bienvenue à tous ceux qui sont là pour la juste, pour leur première. Et du coup, aujourd'hui, moi, je t'ai fait venir pour un sujet qui m'amuse. C'est que donc, je suis ton Behance, comme pas mal de gens. Je vais vous partager d'ailleurs le lien de son Behance pour ceux qui auraient l'occasion. Je vous remettrai tous les liens que je vous passe pendant la session. Je vous les repartagerai par la suite pour pouvoir ben, retrouver eh bien, les éléments. Vous reverrez un petit peu ces contenus-là. Et en fait, moi, je le connaissais surtout pour la caricature, et puis quand j'ai regardé dessus, il a plein de petites bestioles, des petites bébêtes avec beaucoup de pattes, trop de pattes, Trop Dieu, ouais, beaucoup beaucoup d'yeux. trop Dieu Ouais. pour Donc, certains. mise en garde, d'ailleurs, si vous n'êtes pas super à l'aise avec les insectes et les araignées, je pense que c'est une session que vous feriez mieux de sécher. C'est pas très très grave. Non, mais il faut regarder d'un œil quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'il faut faut faire autre regarder chose de et puis de temps loin. en temps, si vous aimez les bourdons, ça marche. Et puis dès qu'il y a des araignées, il faut regarder un peu ailleurs. Moi, je suis arachnophobe, hein, donc il n'y a pas de Ah ouais. Il n'y a pas de souci sur ça, je le prendrais pas mal, je comprends. Je sais que quand je regarde mes photos d'araignées de temps en temps, au bout d'un moment, je suis un peu mal à l'aise. Donc voilà, hein, assumons nos névroses.
Alors, quelqu'un me dit, on t'entend pas très bien. Lequel des deux vous entendez pas très bien? Ah oui, lequel? Lequel? Parce que normalement, on a les mêmes micros, on est bien à plat dessus. Je vais juste revérifier. H2. Hop, vas-y. Dis-moi quelque chose, Kevin. Merci. Quelque chose, Cassis, Kevin. Ouais, normalement, ça passe. Ça passe? Qui on n'entend pas? Lui, parce qu'il parle doucement? Ou moi, parce que je Non. parle doucement? Loin du micro, Loin du peut-être. micro, Mais non, qui, on est alors, pas. Non, moi? non, on est tous les deux relativement proches du micro. Test. Je pense que ça, non, ça devrait aller. Tout à l'heure, j'avais remonté le son exprès, donc allez. Sinon, faut monter le son du PC. C'est ça. Ça marche. Monter Ou le de son du YouTube. PC. En général, on a un son pas trop mauvais et du coup, on s'en sort plutôt pas Ah, c'est mal. toi, apparemment. C'est moi? Ouais. D'accord, mais peut-être que quand j'avais la tête tournée, ça passait moins. Hop, je me suis mis en pan. Ah, mais c'est bon, il y a Yamag qui dit que ça marche bien. Bon, alors si Yamag dit que ça marche bien. Bonjour, Yamag. Non, mais c'est pas grave, je vais dire moins de choses. Je vais dire moins de choses et si ça, voilà, je vais me recompresser un tout petit peu et je vais pousser un tout petit peu le gain pour qu'on ait le même et qu'on ait le même volume que si c'est moi. Voilà. Ok. Bien. Donc, ce qui se passe avec tout ça, c'est que donc j'ai partagé un peu ton Behance. On va le regarder vite fait pour les gens qui prendraient le replay en cours et je vais du coup partager mon écran comme j'aime bien le faire. Check. Voilà, vous êtes sur l'écran, vous allez voir tout ce qu'il y a sur le côté, vous allez voir le chat en direct pour ceux qui auraient débarqué plus tard. Et donc ouais, il y avait pas mal d'illustrations et puis des petites bestioles un petit peu partout. Alors je vous gâche pas la surprise parce qu'on va aller refaire des tours Ouais. dans tes cartes SD. Il y Mais en dans a des eu récentes, quoi. quelques-unes, dans des récentes, dans des Ouais. très récentes et des plus ou moins sympathiques. On va aller voir, parce qu'il y en a des un peu. Voilà. Et ce que je vous passerai comme lien tout à l'heure, c'est effectivement ta nouvelle page sur Facebook, c'est Cassis Libre Photo, cette Oui, fois-ci. parce que du coup, voilà. Ouais, Pour c'est du coup, l'occasion, pour je me l'occasion, suis dit. une vraie belle page avec que des insectes, avec que des petites Et choses que et des tout. photos, ouais. Donc pour les gens qui sont plutôt Facebook que Behance, ben, vous pouvez aller dessus. Pour les gens qui Exactement. sont sur Behance, ben, vous Et pourrez ceux qui en. sont plus photos que dessins, parce que du coup sur ma page à dessin, forcément, il y a que des dessins et des peintures. Sur ma page perso, il y a un peu de tout, mais du coup, ceux qui ne sont intéressés que par le dessin vont voir trop de photos, et ceux qui préfèrent la photo vont voir trop de dessins. Maintenant, c'est séparé. C'est ça, tu segmentes tes audiences et ça te permet de gérer un petit peu tout ça. Ouais, et de m'y Voilà. retrouver moi-même un peu. Ce qui doit pas être simple d'ailleurs, hein, parce que quand on commence à avoir beaucoup de casquettes comme ça, c'est Oui, et puis en plus, ça, c'est que des trucs que je fais à côté du boulot, donc c'est même pas mon vrai boulot. Donc voilà, hein, ça commence à faire. Écoute, un jour, je te ferai venir pour nous parler de ton vrai travail. Oui, ok. Bientôt, un jour. Un jour peut-être, si vous êtes sage. Du coup, aujourd'hui on parle de photos d'insectes et je sais pas exactement dans quel ordre on va commencer parce que t'es venu avec pas mal de jouets. Oui. T'es venu à la fois avec ton boîtier, Oui, qui est avec des là. objectifs. Normalement on le voit. Alors attends, je vais Alors, t'afficher. avec mon objectif, parce que du coup j'en ai plusieurs effectivement, mais comme là on parle macro, j'ai pris mon objectif macro. C'est avec ça que je fais toutes mes macros. Et quelques autres trucs aussi, parce que c'est un 105 mm, donc ça permet d'être. De jouer un petit peu et de Ouais. voir les choses de près. Exactement. Et de faire des portraits pas mal aussi. Et donc c'est un Sigma 105 mm. J'étais Je trop sais pas fier. si on le voit pas. Sigma 105. Non, c'est pas que je suis fier, mais c'est que je le conseille parce qu'il est vraiment très bien et il est pas très cher. Et Sigma depuis pas mal d'années, en tout cas, moi j'achète toujours chez eux, ou en tout cas je regarde toujours ce qu'ils font parce que y a un rapport qualité-prix qui est vraiment vraiment excellent. Et là ils ont sorti et ils sortent encore toute leur gamme dans des nouveaux objectifs qui sont en trois gammes, je crois, qui sont Contemporary, Art et Sport. Alors ça change pas grand-chose à part de temps en temps la formule optique, et puis en sport en général ça coûte un peu plus cher parce que la stabilisation est un peu meilleure pour un usage sport, et tout le reste et enfin tout ils sont tous vraiment excellents et vraiment pas très chers pour des objets de cette qualité, quoi. Et comparé à Canon qui a des objectifs top aussi, hein, forcément, mais qui sont quand même beaucoup plus chers. Dès qu'il y a la petite bague rouge, C'est ça. ça casse un peu la tirelire, quoi.
Je vois bien le genre, ouais. Voilà. Donc oui, c'est le moment où on se dit que dès qu'on a envie de faire de la photo de manière un petit peu pro, un petit peu poussée, on commence à acheter du matos. Voilà. Donc et l'objectif, ça fait tout. Hein. Le boîtier, c'est un peu moins important, mais l'objectif, c'est vraiment ce qui fait la qualité de la photo et du piqué, et de la lumière, etc. Ouais, puis toute la partie stabilisation pour être sûr de réussir à moins bouger que la feuille sur laquelle est posé ton insecte. Voilà. Et bon, après, ça cache pas le vent, hein, mais ça, c'est pas... ça peut pas, on peut pas tout avoir non plus. On peut pas tout avoir. Du coup, ce que tu as fait en arrivant, c'est que tu m'as donné une carte SD avec l'ensemble des images que tu as, tirées récemment, sur lesquelles on va revenir. Il y en a quand même un bon paquet. Il y en a 353. Ouais, voilà. Ça fait beaucoup moins que des photos d'Yamag de la dernière fois, mais on essaiera de pas les identifier parce que je pense qu'il va nous retrouver des visages partout. Ouais. Et puis on va essayer, ouais, au fur et à mesure, je profite d'avoir Cassis à côté de nous pour répondre aux questions qui seraient sur ça. Voilà, donc ça parle de boîtier, ça parle de alors, voilà, il y a des Max qui a le Sigma 105 aussi, ouais. Très bien. J'adore, dit-il, ça, je comprends. Et question bête, est-ce qu'il vaut mieux un gros zoom ou un objectif dédié macro avec lequel il faudrait s'approcher beaucoup? Alors, un objectif dédié macro, ça veut pas dire qu'on s'approche beaucoup, c'est pas forcé, on peut quand même prendre de loin, et il sait faire la mise au point, il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, il y a une meilleure qualité optique en focale fixe qu'en zoom. Donc, moi, j'aurais tendance à conseiller un objectif macro dédié. Mm-hmm. Ou alors une focale fixe avec une bague à long. J'en ai amené là. Ce sont donc des petites... on va voir. Ouais. Des petites bagues qu'on rajoute entre l'objectif et le boîtier et qui, là, par contre, permettent de se rapprocher beaucoup. Donc, ça se divise, en fait. Il y en a une de 30, une de 10 et une de 20, parce qu'on peut mettre une, deux ou trois, ou toutes, ou pas, ou suivant l'objectif. Et en fait, ça réduit la distance de mise au point. Donc, par contre, une fois qu'on les a, on peut plus prendre loin, mais on peut prendre beaucoup plus près. Donc, vaut mieux, à mon avis, une focale fixe de bonne qualité, qui sera de toute façon toujours un peu meilleure optiquement qu'un zoom. Mmh. Même s'il y a des très bons zooms maintenant, et éventuellement une bague à longe qui coûte pas très cher, plutôt qu'un zoom, ouais. D'accord. Pour moi en tout cas. Et le deuxième jouet avec lequel tu es venu, c'est ton téléphone portable. Oui. C'est tout bête, mais sur ton téléphone, tu prends, toi, on fera un petit crochet sur la manière dont tu peux éditer tes photos dès la fin de la prise de vue. Exactement. Direct depuis Lightroom, en fait. Du coup, on peut créer un catalogue qui est synchronisé avec Lightroom mobile. Donc sur téléphone ou sur iPad, évidemment, c'est plus confortable sur tablette, hein, parce que l'écran est plus grand. Mais c'est assez bien, et ça sert aussi pour visionner un catalogue où qu'on soit. On peut regarder un peu les photos qu'on a prises, on peut regarder faire quelques réglages un peu ponctuels dessus, ou un peu général justement, ou généraux, des réglages dessus sur les catalogues, et c'est directement synchronisé sur notre catalogue Creative CC chez nous. Donc du coup, hop, si je suis en balade et que je m'ennuie un peu, je peux regarder sur mon téléphone ou sur ma tablette, faire 2-3 réglages, choisir des photos, sélectionner, mettre un titre et des notes et des trucs. Et après, quand je reviens chez moi, tout est synchronisé, donc je peux retrouver ce que j'ai fait, et je peux retrouver les notes et celles que j'ai aimées et les choix que j'ai fait, etc. Donc, bon petit outil de voyage que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais que je commence à utiliser un peu plus fréquemment quotidien, maintenant. Ouais. Et du coup, je vous ai passé un petit lien dans le chat, hein, je vous le remettrai pour ceux qui nous suivent sur le replay. C'est le lien vers le Creative Cloud pour la photographie ou pour les photographes, je sais plus si on a dit pour l'un et pour l'autre. Pour ceux qui connaissent pas, ça va vous permettre en fait d'être sur le Creative Cloud et d'avoir accès à Photoshop et à Lightroom. Alors principalement ces deux applis là, parce que c'est les applis dédiées aux photographes, et ça vous permettra, alors je vais partager mon écran, hop, ça vous permettra, vous le verrez quand vous y serez connecté, vous pourrez tester, regarder un petit peu comment ça marche, vous pourrez voir justement bien la manière dont vous pouvez imaginer traiter les images. Alors évidemment, si on fait juste des jeux avec du filtre ton froid, sépia, etc., on se rapproche assez vite de ce qui se fait sur des Instagram ou autres. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bah, si je mets ma propre photo dessus, je vais pouvoir tester, je vais pouvoir regarder les réglages de manière beaucoup plus fine. Là, c'est du réglage basique, mais je vais avoir, et là ce sera pas sur cette fenêtre là, ce sera sur celle-ci, hop, lightroom.adobe.com,
Je vais avoir un complément à tout ça qui sera une version de Lightroom avec donc les catalogues synchronisés sur lesquels je vais pouvoir faire des modifications directement de mes photos et qui vont aller sur mon catalogue en live. Et ça, ça va être vachement intéressant parce que je sais que tout à l'heure j'en parlais, tu m'as dit ah oui, j'avais même pas fait gaffe. Non. Parce que on est tout le temps sur nos ordinateurs de travail pour les plus geeks d'entre nous et ce qui arrive aussi de temps en temps, c'est qu'on est en déplacement. Vous allez à un événement ailleurs, vous n'avez pas pris votre ordi, vous avez pris que votre boîtier, eh bien vous pouvez commencer à travailler même à l'extérieur. Vous pouvez modifier une photo, gérer dessus du coup par rapport à cette photo les traitements, balance des blancs, éclairage, etc. Et faire vos premiers réglages sur cette image là. Et quand je suis sur mes réglages photo, j'ai même moyen de gérer une légende, de gérer les notes si je l'aime beaucoup, pas trop, etc. Si je veux l'accepter, si je veux la rejeter, voilà, comme vous le feriez dans votre Lightroom de bureau, mais cette fois-ci vous le faites de n'importe où. Il suffit juste de vous connecter avec votre Creative Cloud. C'est pour ça, c'est tout l'intérêt en fait. C'est pas juste disposer de Lightroom. C'est vous avez Lightroom et Photoshop. Vous avez le lien entre les deux applications. Vous avez le lien vers le web. Et quand vous aurez besoin de diffuser une image, vous venez ici, vous lui dites que vous voulez partager cette photo et vous lui donnez un titre parce que c'est toujours plus sympa, un auteur, etc. S'il y a plusieurs images, vous pouvez choisir une photo de couverture. Vous pourrez même lancer un diaporama. Et ça, je fais toujours un petit rappel parce que je sais qu'il y a des gens qui nous suivent et qui l'ont déjà vu, mais je sais qu'il y a des gens qui découvrent et qui me disent mince, si j'avais su qu'on pouvait faire ça, je me serais peut-être moins galéré régulièrement. Quoi. C'est ça. Apprendre des trucs sur des clés ou à oublier sa clé avec les photos qu'on a faites et qu'on a déjà développées, etc. Là, c'est vrai que du coup, on a accès à tout. C'est un peu comme le mobile, justement. C'est un peu les mêmes options et les mêmes réglages auxquels on a accès. Et tout ça synchronisé sur notre catalogue chez nous. Donc en plus, il y a pas de perte de réglage et de travail en fait. Dès qu'on revient sur notre ordinateur où il y a notre bibliothèque, tous les réglages et toutes les photos sont synchronisées et donc on retrouve là où on en est. On quitte un poste de travail pour aller sur un autre et c'est sans accro. C'est sans accro, ouais. Et alors, je vois une petite remarque de Bruno qui dit, pour info, mais je pense que tout le monde le sait, le rapport 1 pour 1, c'est qu'un objet d'un centimètre photographié fera un centimètre sur le capteur. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on va on va partir sur nos focales fixes. C'était ce que tu avais mis en exergue tout à l'heure. Bruno, voilà. Il pourrait partager son site aussi. Il fait des photos, il fait des belles photos. Et il fait de la macro aussi. Il pourra pas partager son site. Il pourra pas partager son site. Donc, tant pis pour lui. Voilà. Cherchez Bruno Jean photo. Voilà. Je sais pas si c'est ça, mais... Je vais pas chercher tout de suite. Non. On reverra tout à l'heure. Ouais. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est peut-être de brancher directement ton appareil, parce qu'on va regarder justement cette histoire de photos et de prise de vue. Et puis, je vais partager. Hop, est-ce que j'ai bien mes petites caméras ici? Parce qu'on est super équipé, il se passe plein de trucs. Et hop. Oui. J'ai enlevé le verre. T'as enlevé le verre? Alors, si t'as enlevé le verre. Je pense que c'est mieux. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, on voit quelque chose. Mais c'est complètement flou. Alors, on cherchait des insectes. Alors, on a sûrement des acariens, mais on a trouvé des puces. Et c'était ma vanne du matin. C'était la blague que j'ai pas compris tout à l'heure, parce que j'étais pas très réveillé peut-être. Mais on y vient. Ouais, non, on va y arriver. Et du coup, sur ce... voilà, une belle puce. Je suis trop fier de moi. Ouais, tu peux. Sur ce petit plan, déjà peut-être montrer en fait la différence. Justement, je parlais des bagues à longe tout à l'heure, ouais. et du coup peut-être montrer justement la différence. Donc là je suis au plus près avec l'objectif seul, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà c'est quand même super super clean. Et du coup t'es en plein capteur sur la largeur du boîtier. Exactement. Alors excusez-moi parce que du coup ça se met en veille un petit peu. Vas-y voilà. Hop, ça voilà. Va revenir. Ça revient. Oui. Sûr. Tu dis, hein, parce que si tu veux changer de bague et montrer qu'on peut aller plus près. Ouais, voilà. Donc voilà. Je suis au plus près de ce que je peux faire, sans rien. Juste avec l'objectif. Donc, je vais rajouter la plus petite bague pour l'instant. Justement, pour être un petit peu progressif. Je vous montre la manip. Voilà. Voilà. On met la bague. Alors, dans l'ordre qu'on veut, hein, parce que de toute façon, en général, on est dehors. Donc, sur l'objet, puis sur le boîtier. Donc là, je ne peux plus faire la mise au point un peu loin. Hop. Et par contre, attendez que je m'y retrouve.
Voilà, donc là on commence à se rapprocher vraiment beaucoup. Ça, c'est donc avec la petite bague allonge de 10 mm. On va passer directement. On rajoute la 30 pour faire beaucoup. Parce qu'on va pas, on va pas toutes les faire, vous avez compris le principe un peu, mais. Ouais, je pense qu'on fait un petit peu de mathématiques pour que les gens voient bien comment ça Ouais, marche. alors attendez que je vais Voilà. pareil. Parce que du coup, j'ai Vas-y, pas de fais-nous là. retour live. Voilà, donc là, je commence à avoir du mal à avoir la largeur de la clé sur mon cadrage. Et du coup, tu vas pouvoir t'éloigner pour Et je peux, alors oui, je peux, de toute façon, par contre, je peux m'éloigner un petit peu. Hop là. Mais ça va être plus lourd. C'est pas très simple. Oui, c'est plus lourd. C'est plus lourd. Donc, je peux garder encore cette distance. Donc, je suis pas obligé d'être vraiment près des insectes parce qu'il y a un moment, forcément, on les gêne un petit peu. Mais donc, par contre, vraiment au plus près, je commence à vraiment pouvoir. On est où? On est là. Ouais, tu commences à vraiment pouvoir À faire le grand vraiment. mouvement. Voilà. D'où l'idée de, j'avais dit, que je te mettais un trépied, comme ça c'était. Ouais, bah, sauf qu'il faut recadrer après. Bon, ça. Et Ouais. donc, si on rajoute encore la troisième. Là, c'est au... Alors après c'est pareil, hein. Donc souvent les bagues elles sont en lot de 3 ou toutes seules et on peut en acheter deux lots et en rajouter encore jusqu'à plus soif. Et voilà. Ouais, donc tu commences à Donc avoir là on vraiment commence du à être détail. vraiment vraiment près et donc je pense que... Alors du coup là j'ai pas le rapport, je pense qu'on est un peu plus gros que du 1 pour 1 Ouais. vu que la clé doit faire 1 cm de large et que mon capteur fait un peu plus. Donc voilà. Donc du coup, on commence à être vraiment prêt à pouvoir faire vraiment, vraiment du gros plan, un peu serré. J'en ai fait quelques-unes, dans mon catalogue. Je vais couper, ça parce que j'ai la Vas-y, tremblotte. t'as la tremblotte, ça va aller. Voilà. J'en ai fait quelques-unes dans celles que j'ai apportées et logiquement, il faut que je retrouve un peu. Alors attends, on va venir justement sur ce que tu nous as apporté. Ouais. Hop. Alors pour répondre à Vadim qui dit que pour la macro le trépied est incontournable, moi j'en fais j'en ai j'ai pas de j'ai pas de trépied. Mais donc je suis désolé je suis désolé de je fais tout à main levée. C'est un peu galère et suivant les insectes s'ils bougent beaucoup, il faut prendre un peu son temps et les suivre et Être un peu patiente, peut-être déjà. être un peu patient de toute façon. Quand il y a du vent, pareil. Quand il y a les trois bagues à longe, là on commence à être un petit peu crispé. Mais du coup je fais tout sans trépied, tout simplement parce que j'en ai pas et qu'en fait pour moi les insectes bougent vraiment trop et donc s'ils sont très immobiles, alors pour peut-être pour de l'araignée c'est pas mal quand elles sont sur leur toile, on a le temps de se placer puis de cadrer et de se stabiliser et tout ça. Je sais que perso pour les mouches, enfin tous les diptères et les bourdons et les abeilles et particulièrement les bourdons et les abeilles qui arrêtent pas de bouger, j'ai jamais réussi à cadrer bien au trépied, même avec une manette et tout. Enfin voilà. Donc du coup moi je fais tout à main levée. Ça fait quelques années maintenant que j'utilise le flash. Souvent, pareil. Alors du coup mon flash après ma petite pub pour Sigma, petite pub Yongnuo, qui est une Attends, marque attends, chinoise. je te remets Ah au oui, grand. voilà. Yongnuo, qui est une marque chinoise qui fait globalement un peu des copies, sans être des copies, mais en gros c'est exactement le même genre que fait Canon ou Nikon, et qui marche très bien. Donc là c'est le, je sais plus quoi, YN 568 EX2. Hop, voilà, qui marche vraiment bien. Et donc dessus j'ai cette petite chose là qu'on voit peut-être, non Oui, qu'on ne si, voit si, qu'on plus. voyait plus, qu'on voyait, Voilà, qu'on on la voit, on remet, la voit plus. qui s'appelle MagMod, qui est fait aux États-Unis, il me semble, et qui est hyper pratique. Ça, je le laisse tout le temps. Et en fait, il y a deux magnets sur les côtés. Donc, pardon. Donc ça se laisse tout le temps sur le flash. Et en fait, par-dessus, on va pouvoir venir plugger des éléments. Et hop. Et donc, du coup, ça tient tout seul. Ça, c'est en silicone mou, donc ça se range dans les sacs, ça se déforme et ça reprend sa forme. Et donc là, ça me fait un dôme. Qui permet d'éclairer un peu plus doucement et surtout de diffuser un peu plus et puis que ça se voit un peu moins dans les yeux des insectes particulièrement. En dessous, j'ai un petit Ouais, mais porte, bien façon. ouais, je sais pas si on voit, là si on voit. J'ai un petit porte gélatine Qui est qui se plug et transportable. qui, Oui, voilà, et pareil, pareil. pareil en aimanté. Voilà, en aimanté. Avec ce kit-là, il y a aussi une grille pour donc ça sert
À focaliser, la lumière, ouais. Absolument, merci. De rien. Et, ouais, c'est du hasard. Pendant que je... bah, quel beau hasard. Et toute une petite série de gélatine de couleurs différentes et de saturations différentes. Moi, j'ai mis, c'est une orange en un quart. Et après, bah, il y a tout. Il y a la full orange. Il y a, je crois, une bleue, une verte. Et après, il y a d'autres. Sur le site, il y a plusieurs modules comme ça et plusieurs séries de gélatine. Et donc, on peut jouer avec la lumière. Moi, je mets une couleur un petit peu chaude parce que comme je prends souvent des insectes, j'aime bien un peu que ça se rapproche du soleil ou en tout cas d'une couleur un petit peu chaude. Donc voilà. Après, ça se plug comme ça. Et moins perturbé, en fait, la prise de vue. Ouais, bah, j'ai pas forcément. Je préfère rebosser éventuellement la température sur Lightroom, justement, vu que ça, c'est aussi à ça que ça sert et que je shoot en RAW. Et donc, voilà, je prends ça à main levée avec ce petit câble de raccordement. Ouais, c'est pas ton talkie-walkie, en fait. Non, voilà, c'est ça se plug à la griffe de l'appareil et après je tiens la main et je fais des gestes un peu bizarres, je me maintiens comme ça et en fait ça me permet plus ou moins de placer le soleil en fait. C'est toi qui places le soleil? Bah un petit peu. Et en fait ça va se voir sur certaines photos où justement il y a plusieurs tests et je prends un insecte et je place le flash sur la gauche et ça me plaît pas forcément sur la droite, etc. Alors celui-ci pour le coup t'avais pas de flash? Si, mais il est bien caché. Voilà, il est derrière, il est dans ma main gauche. Ah oui, d'accord, mais caché par la casquette. Voilà. Donc effectivement, la macro photo, c'est vraiment à genoux. C'est à genoux, voilà, c'est à genoux dans la terre ou dans les plantes ou sur les plantes et puis il faut être patient et puis aller chercher et puis faut observer aussi surtout. Mmh. Je suis allé en forêt il y a pas longtemps là pour faire une petite session pour ce live et donc pareil, c'est-à-dire quand tout le monde regarde en l'air ou écoute les oiseaux ou promène son chien, moi je regarde les feuilles et j'essaye de trouver un insecte ou un truc et voilà. Et Vadim demande le flash oculaire. Alors j'en ai eu un. Je suis un peu moins fan parce que justement il est toujours frontal et donc il y a un côté un peu plus photoscientifique ou vraiment d'études d'entomologie. Et donc ça flash un peu fort je trouve et ça permet moins de créativité sur la lumière. Là le fait que je sois à main levée, j'ai donc mon appareil sur la main à la main droite, mon flash à la main gauche et en fait du coup je place au-dessus sur les araignées, c'est sympa d'être au-dessus parce que du coup ça fait des jolis reflets dans les yeux. Pareil un peu pour les mouches, mais après je peux du coup me déplacer, faire des trucs plutôt des lumières rasantes, je peux me placer de l'autre côté, etc. Et donc du coup c'est moi qui choisis la lumière un peu comme sur un tournage ou sur un photoshoot en fait. Et du coup je préfère. Voilà. Après c'est pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font avec des annulaires. C'est vraiment bien. Il y a aussi chez Canon une petite griffe qui se met sur le devant de l'objectif et qui a deux flashs. Qui fait des résultats assez fous aussi, mais pareil, du coup, ça encadre, ça fait des lumières un peu moins directionnelles, voilà. Et donc ça, c'est le résultat. On peut voir, voilà, sur la mouche, on peut voir le résultat du dôme sur les yeux de mouche justement. Et donc ça fait une belle zone blanche où on voit bien les facettes, etc. Et ça a plutôt tendance à me plaire. Et c'est ce que j'ai recherché pendant longtemps. Et du coup, maintenant, c'est bon, ça marche. Voilà. Ouais, c'est classe. C'est classe, c'est clair, c'est propre. Et puis surtout, on a des invités de marque. On a quand même Jeff Goldblum avec nous. Jeff Goldblum est là? Incroyable. Ah, pardon. Ah non, mais voilà, je vous ai voilà, non, c'est ma journée, van aujourd'hui. Je le regardais dans le chat. Mais bon, non, il faut que je me mette en mode blague un peu. Je suis désolé, je suis un peu de bonne humeur. ouais, à main levée, c'est énorme. Ouais, c'est carrément énorme, surtout quand on voit effectivement le détail, le piqué dessus. Le piqué, ouais. Alors pour le coup, j'aurais pu me faire des aperçus, des photos, comme ça on aurait gagné un tout petit peu plus de temps entre chaque image. Toi, en termes de traitement sur tes photos, tu m'avais dit au départ, t'essayes de pas trop en gérer et de capter à la prise de vue. Ouais, bah comme alors là du coup dans ton catalogue, enfin dans le catalogue qu'on a fait là, c'est tout brut de prise de vue. Mmh. Et donc c'est là aussi l'idée du flash à main levée et avec le dôme, c'est que je peux gérer. T'as choisi la floue. J'ai choisi la photo floue. C'est voilà. Pour montrer quand on essaye d'avoir du net, parfois ça passe pas trop. Voilà. Et j'ai réussi à ça c'est avec le vent, etc. Et tout. Et donc voilà, du coup l'idée du flash et du dôme. Et le flash aussi, je le règle à chaque fois si je veux une intensité moins forte ou plus forte. Et donc je fais toujours, il y a une photo test, la première.
qui me sert à voir si j'ai bien réglé mes affaires. Si c'est pas le cas, bah je règle vite et je reprends une photo avec les réglages que je veux. Et donc après, je place mon éclairage. Et donc l'idée, c'est que la prise de vue soit au maximum comme je l'envisage, pour effectivement avoir pas trop de travail à faire après en poste. Parce qu'après, je peux passer des heures en poste et tout ça, et donc je trouve ça assez passionnant aussi de passer du temps à la prise de vue, de cadrer, etc. Alors le cadrage en macro, ça dépend des insectes, je trouve. S'ils vont un peu vite, je mets le focaliseur au milieu et je me dépêche et du coup mes photos sont centrées et éventuellement par contre je recadre sur Lightroom après. Quand ce sont des insectes un petit peu plus lents et plus posés, là je prends un peu plus le temps par contre de cadrer direct à la prise de vue et puis voilà quoi. Ouais, ça répond à la question de Stéphane qui demande autofocus ou mise au point manuel. Alors plutôt autofocus. Parce que effectivement ça va vite quand même et ça va vite et en fait, maintenant, je commence à avoir vraiment le pli, en tout cas avec cette technique de flash, etc., où je vise, et donc je sais où je vise, et je prends dès que la mise au point est faite. Et en fait, la mise au point manuelle, pareil, c'est très bien avec les insectes un peu lents, etc., et j'en ai déjà fait. Je pense les araignées, il y en a quelques-unes en mise au point manuel. Après, c'est quand même souvent en automatique. Et puis surtout que maintenant, justement, avec les objectifs, ils ont des mises au point qui sont de plus en plus rapides. Alors chez Sigma, c'est un peu plus long que chez Canon. C'est quand même très très bon. Chez Canon, c'est à chaque fois je suis toujours surpris de la rapidité de la mise au point sur leurs objectifs. Sur les séries L, celles qui coûtent cher, évidemment. Bizarrement. Mais ouais. Alors il y a Chris qui demande pour la mise au point en macro, tu le fais sur les yeux. Ouais, souvent. C'est-à-dire que c'est comme ça reste des portraits un peu, hein, donc du coup sur les portraits on a quand même tendance à faire la mise au point sur les yeux parce que là, c'est là que ça passe. Sur les insectes c'est un peu pareil. Alors après de temps en temps on peut aller voir des choses qui se passent justement à l'attache des pattes, etc., pour voir du détail. Mais c'est quand même sympa de voir les yeux, surtout, voir ce qui se passe, surtout quand il y en a trop sur le. C'est ça, surtout quand ils en ont plein. Ouais. Ouais, non, c'est quand même des assez jolis jouets. Ouais. Avec le flash dans la main, il faut une troisième main. Oui, c'est pas faux. Ouais, voilà. Bah, bientôt, peut-être. Dans le futur. C'est ça. Ça, c'était une araignée sauteuse. Ça, c'est assez bien si vous en trouvez dans des jardins ou dans des trucs. Les araignées sauteuses, c'est assez curieux. Donc, ça a tendance à venir voir un peu ce qui se passe. Elle, je l'ai suivie pendant un quart d'heure, je crois. Elle était sur la rambarde, donc derrière les plantes. Et en fait, elle est venue petit à petit vers moi et elle s'est rapprochée et elle est venue jusqu'à la feuille la plus près de moi, ce qui m'a permis de faire des petits portraits un peu plus proches et un peu plus de face. Puis après, elle s'est barrée parce que... Parce qu'elle en avait marre. Ouais, puis je pense que là, peut-être que dans 8 yeux, les flashs répétitifs, ça fatigue plus que dans 2. Mais c'est assez cool, les araignées sauteuses. C'est clair. Il faut les repérer parce qu'elles n'ont pas de toile. D'accord. Et donc elles se baladent un petit peu. Elles font des toiles, hein, mais elles ont pas de toile fixe où elles restent planquées et tout ça. Elles se baladent et c'est assez fou à voir sauter. Ça saute quand même assez loin vu la taille du truc. Et donc ça, hop, ça vient sur le bord de la feuille, ça allonge ses deux pattes avant, puis ça saute hyper rapidement. Genre là, elle se prépare à sauter. Voilà, c'est assez cool. Après, est-ce que t'as réussi à capter un saut ou... Non. Ça c'est toujours alors en mouvement en mouvement c'est pas simple. Ouais. Non, c'est un de mes buts prochains un jour d'arriver. J'ai quelques débuts de vol d'insectes volants et tout ça. L'araignée saute. Puis en plus c'est tellement rapide l'araignée sauteuse que là il va falloir que j'installe un laser ou un truc. Ouais, ou alors et puis que tu repères que tu commences à passer sur du slow motion. Voilà. Alors en film, ouais, en film ça peut peut-être se choper effectivement. Alors ça, ce sera intéressant pour ceux qui nous suivent régulièrement. Vous avez peut-être vu cette session. On avait reçu David Coiffier il y a
quelques semaines, qui est un espèce de tueur de tout ce qui est de tout ce qui est time lapse et slow motion. Et pendant une heure, on a regardé des supers images, notamment un combat entre un scorpion et une araignée. Je pense que voilà, j'ai un petit peu un thème récurrent en ce moment. T'aimes bien ça, quoi. Ouais. Ouais, quand ça se fight un petit peu, qu'il y a des qu'il y a de la mécanique, voilà, c'est assez rigolo. Il y a des pattes, c'est assez fou. Et alors, peut-être que je t'ai montré tout à l'heure, tout en bas, je pense, il y a une mouche assez surprenante qui s'appelle la mouche scorpion. Vous allez assez vite comprendre pourquoi. Alors, peut-être que c'est tout en bas ou c'est tout en haut? Non, ça doit être dans hier. Allez, on va aller regarder une. Qui n'est pas vraiment hier, mais qui est hier quand même. Voilà, qui est à peu près hier. Et voilà, celle-là. Voilà, la mouche scorpion, qui est quand même logiquement scorpion. Qui se trouve pas mal partout dans les bois et les trucs comme dans des feuillus et plutôt à l'ombre. Mais donc là, tu parlais de structure de pattes, justement sur celle-là, c'est assez visible, en tout cas la tache sur l'abdomen. Donc ça, c'est assez fou et la tête, elle est complètement dingue aussi. Donc pareil, tous les concept artistes qui dessinent des monstres et des aliens, bah voilà, y a pas à chercher très loin. Il y a pas à chercher, ça existait déjà les mecs. La taille réelle d'une araignée sauteuse, juste pour donner une idée du grossissement. Celle-là, elle était relativement grande. Elle devait faire un centimètre et demi. Oui, panorpe, exactement, la mouche scorpion. Mouche scorpion, ok. Et ouais, un centimètre et demi, elle faisait. Moi, c'est la plus grosse que j'ai vue pour l'instant. J'en avais pris une il y a quelques années, qui était plus petite, qui devait faire un peu moins d'un centimètre. Alors, il y a Stéphane, il s'y connaît bien. Effectivement, seul le mâle a cette queue. La femelle a une queue un peu plus droite, donc ça fait un peu moins... Enfin, ça fait même moins scorpion, pas du tout scorpion, même si ça a une tête bizarre. Mais effectivement, il y a le mâle a cette queue un peu recourbée et qui a vraiment comme une queue de scorpion, quoi. Hop. Alors, je sais pas si vous avez vu ce que j'étais en train de faire là à l'instant. Je suis en train de rajouter des mots-clés dans mon Lightroom. Et dans le Lightroom, du coup, je peux sélectionner une partie des animaux. Alors, je vais prendre toutes les photos d'un coup. Hop, je vais dire que toutes ces photos sont des insectes. À un moment, je virerai les arachnides parce que il va y avoir des gens qui vont me dire, mais c'est pas des insectes. Mais en tout cas, voilà, tout ceci. Hop, on va considérer que c'est des insectes. On va vérifier. Ah non, les deux en bas sont pas des insectes. Voilà. Ça, c'était donc, eux, il faut bien penser de balade. À virer. Ouais. Et il y a deux araignées aussi, hein, là, 55. Hop. Les petites araignées. Ah bah peut-être si Stéphane sait, j'ai cherché cette araignée, j'ai pas trouvé son nom. Voilà. Si tu. Et alors Daniel, non, je me balade pas avec une loupe en fait. Hein, donc je regarde juste. J'ai mon appareil, je regarde pas tout le temps dedans parce qu'avec le grossissement c'est pas possible. Mais du coup, je suis comme ça, je regarde, je regarde par terre, je regarde dans les fleurs, dans les plantes, dans les feuilles. Et j'en loupe, hein. Je pense que j'en loupe plein, mais du coup, à force que je commence à repérer, ou dès que je vois un mouvement, je le suis, et puis voilà, ça peut durer 30 secondes, une minute, et puis une fois qu'il se pose, je vois où il s'est posé, et je vais vite voir ce qui se passe, et voilà. Et là, nous voilà avec un nid d'araignée. Et là, c'est bien, bien flippant. Ouais, pour les amis arachnophobes. Alors celle-là, elle est un peu sombre. Celle-là, elle est un petit peu sombre, mais après, comme d'hab, on peut soit la retoucher avec Lightroom, Je vais vous dire ça. L'araignée à diadème, on l'appelle, et je vais vous dire le nom latin, parce que du coup, pourquoi pas. Si je la trouve, je ne me souviens plus. Eh ben non. Non, Stéphane n'a pas la réponse non plus pour l'insecte d'avant. Pour l'araignée, non, mais je l'ai pas trouvé. Et j'ai cherché pourtant, mais pas trouvé. C'est une. Eh ben non, je l'ai pas du coup. Cette petite araignée. C'est Diadémantum ou quelque chose comme ça. Non. Pardon. Alors du coup, petite question aux gens qui nous suivent. Quand vous développez sur Lightroom, est-ce que vous êtes vous aussi adepte des mots-clés? Est-ce que vous avez bien vu qu'on pouvait renseigner, par exemple, des mots-clés de manière successive? C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'ai pris ma mouche scorpion. Hop, je vais vous faire un petit zoom parce que je suis sûr que vous voyez pas grand-chose d'ici. J'avais ma mouche scorpion, bah, je vais la ranger dans les insectes. Ce qui fait que tout à l'heure, je pourrais voir plusieurs insectes différents et les retrouver plus facilement. Par exemple, hop, on va se remettre en grille, G, avec la grille. Je vais récupérer, on va remonter un petit peu. Tout ça, ça a l'air d'être de l'insecte. Scarabée, ouais. Enfin, oui, du coup, ça...
des arthropodes, on va mettre les arthropodes, les insectes, etc. Donc je peux tout prendre, hop, tout gérer, sauf peut-être cette araignée ici qui n'a rien à faire avec les insectes. Je peux lui dire tout cela c'est des insectes, et après je peux aller piocher, par exemple ici j'ai de la mouche, hop, c'est la pioche à la mouche. La pioche à la mouche. Pourquoi tu refuses de faire ce que je veux, voilà. Copier, et je vais me rajouter donc un mot-clé, hop, ça c'est une simple mouche, et je vais la rajouter donc aux photos sélectionnées, et bien entendu placer dans l'insecte, comme ça je suis sûr que mon mot-clé est placé au bon endroit. Et du coup je me fais très facilement en fait une collection de mots-clés, et une collection d'éléments que je pourrais retrouver. Et là vous voyez que je commence à retrouver sur le côté de la suggestion de mots-clés, par rapport à ce que je suis en train de placer, et si vous suivez, on fait régulièrement des... on a Yves Chatin qui intervient et qui a une petite session qui s'appelle la pause café Lightroom. Je vous remettrai le petit lien. C'est des sessions qui durent deux minutes max, sur lesquelles il revient sur une fonction, et il en avait fait une spécifiquement pour expliquer comment on place ces mots-clés et pourquoi on n'en plaçait pas 5000 d'un coup, mais qu'on en avait 9 là. Et on en a 9 tout simplement parce que sur votre clavier, sur le pavé numérique, vous pouvez placer celui du milieu, celui de l'extérieur, etc. Évidemment, sur un ordinateur portable, ça marche beaucoup moins bien. Mais voilà, c'était un petit peu l'idée. Ça me semblait important de vous remontrer un petit peu une partie justement du travail, parce que au bout d'un moment, on finit par se retrouver en termes de contenu avec beaucoup de photos, avec beaucoup d'images à gérer. Et quand on a beaucoup d'images à gérer, si vous n'avez pas mis de mots-clés, bonne chance pour les retrouver. Et là, je suis dans ma bibliothèque, je vais chercher les métadonnées, par exemple, et je vais retrouver eh bien des métadonnées de date, d'appareil photo et autres. Je peux aller chercher mes mots-clés. Et dans les mots-clés, eh bien retrouver justement ma série, les araignées, les insectes, les mouches, etc., etc. Vous voyez que ça va vite, et ça nous permet beaucoup plus facilement de gérer un catalogue. Donc d'utiliser de pas refaire plusieurs fois les choses. Et en plus, après, une fois que les mots-clés sont là, quand on publie sur Facebook ou les services de publication de Lightroom qui sont intégrés, ou Adobe Stock et tout ça, du coup, ça balance les mots-clés directement aussi, et donc pas besoin de leur faire une deuxième fois ou je sais pas combien de fois dans Stock ou Instagram, etc. Donc, ouais, parce que ça peut être un truc aussi. Comme d'hab, si vous faites des photos une fois tous les 6 mois, ça va pas forcément vous parler. Mais quand vous commencez à avoir régulièrement des contenus, que vous avez besoin de les mettre à jour, tiens d'ailleurs un petit truc, hein, le Lightroom Instagram, je le détaillais dans une session précédente, donc je vous remettrai le lien là-haut comme d'habitude. Et sur la session Lightroom Instagram, ce qui est précisé, c'est que vous pouvez envoyer votre photo, mettre une série de hashtags et mettre à jour les hashtags. Parce qu'ils sont publiés avec votre catalogue, et c'est ça qui va être assez fort, assez utile. Les mots-clés, c'est une force, surtout quand on a des milliers d'images, oui, parce que quand vous n'avez pas grand-chose, c'est... Voilà, oui, vous, ça se vous savez vite, les identifier. Moi, je m'en sers pas assez déjà, et je regrette un peu. Alors, je me repère par date, mais c'est vrai qu'après, avec des grosses sessions et tout, et puis surtout avec les choix de photos, il y a des moments où ça devient un peu... on se noie un peu dans le nombre. Ouais, où ça peut commencer à être compliqué. Et puis surtout, il y a peut-être des moments où vous allez vous rendre compte que vous avez deux fois le même insecte et que c'était rigolo de pouvoir gérer tout ce qui est diptyque ou faire des éditions spécialisées. Alors, c'est pas ce... Diptyque, diptère, non, on est bien. Diptère, ouais. Non, j'étais vraiment sur les diptyques. Ah, d'accord, pardon. Non, c'était, ouais, c'est oh, pour, autant pour moi. Désolé, c'était pas une vanne. je vous fais passer le lien à l'instant du blog de Julianne Coste. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce que fait cette charmante personne, elle présente un travail sur Lightroom qui est assez exceptionnel, puisque, bah, elle le maîtrise plutôt pas mal. Elle est formatrice depuis quelques années. Et elle a justement toute cette, tout ce travail sur les diptyques, sur sa manière de traiter les photos, etc. Et elle en a mis plein sur sa page Behance, et bien entendu elle explicite la manière dont elle va traiter, la manière dont elle va remettre en forme tout ça. Donc là c'était Salt and Sea, il y avait quand même des choses assez classe, et n'hésitez pas, tenez, je vous mets le Behance dans les petits liens, hop,
Voilà. Comme ça, vous irez voir Juliane et vous pourrez regarder un petit peu tout ce qu'elle a fait. Il y a toujours un grand traitement, des photos, des couleurs, des cadrages et tout. Il y a une bonne passe sur la post-prod dans Lightroom parce que elle le fait très bien, elle adore ça et elle fait vraiment des choses exceptionnelles. Voilà. C'était Juliane Coste et c'était la seconde de pub. Très bien. Ce qui peut arriver ici. Donc voilà, ça c'était nos insectes. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu encore sur tes photos? Parce qu'il y a... Ah bah après, il faut regarder peut-être des insectes un peu intéressants. Alors du coup, peut-être... Non, hier aussi, qui n'est pas hier. Hier, t'as vu des... Mais il y a une mouche qui s'appelle Hemipanthes mori, qui est une mouche toute noire, qui est tout en bas, logiquement, qui doit être là, ouais. Et qui est assez jolie avec des ailes séparées en noir et transparente en zigzag. Pareil, qui se trouve dans les bois, hein, c'est assez fréquent, mais il faut aller dans les feuillus et un peu à l'ombre ou en tout cas dans les bois, etc. C'est pas, elles sont pas trop dans les jardins. En tout cas, moi j'en ai pas trop vu dans les jardins et j'en vois très régulièrement dans les bois. Donc ça, c'était rigolo. Je l'ai vu en même temps que la panorpa de tout à l'heure, la mouche scorpion. Il y avait une araignée qui était sympa aussi et qui s'appelle, je crois, une tétrapag, non, une tétra... Tétrapac? J'ai honte, hein. Mais peu. Tu peux presque. Une tétragnate, pardon. Qui a des pattes hyper longues, que je t'ai montré tout à l'heure. Qui est celle-ci. Ouais. Ouais, plutôt l'autre qui est plus cadrée, justement. Ah bah, donc, typiquement, voilà, la première, elle était, j'ai recadré après pour la placer comme je voulais. La première, celle-là, c'était la première. Je l'ai prise, j'ai placé ma lumière. J'étais pas forcément très content parce que la composition était un peu étrange de prendre toute cette diagonale. Et donc du coup, tout de suite après, j'ai pu recalibrer un peu les trucs. Je me suis tordu le cou un peu comme ça pour la placer plus à la verticale, un peu plus loin pour qu'on voit un peu plus la toile. Le corps et surtout ces immenses pattes avant qui pendent. Donc elle, pour l'instant, elle n'est pas encore rangée dans les araignées, ça va être le cas maintenant. Alors Daniel qui demande s'il y a des périodes plus propices dans la journée pour la macro. Alors oui, il y a le matin très tôt où du coup les insectes sont un peu endormis ou qui sont encore un peu dans le froid de la nuit. Ils bougent moins. Avec un peu de chance aussi, il y a de la rosée. Et du coup, ça fait des petites gouttes qui ont tendance à perler sur leur carapace et sur leur poil. C'est ce que tu avais tout à l'heure sur tes araignées, même ton araignée sauteuse, il y avait ça. Je crois, si je dis pas de bêtises. Pas. Non. Non, j'ai une puce qui a eu un petit coup de pluie. Et c'était pas la rosée, mais c'était de la pluie. Et donc voilà, le matin c'est assez sympa, il faut se lever un peu tôt, mais pourquoi pas. Et après, dès qu'il y a du soleil sur des fleurs, là il y a plein de bourdons, d'abeilles et tout ça qui butinent. Alors oui, ça c'est sûr. Alors là, on a juste de la rosée pour le coup. Petite marguerite. Et comme l'humain en fait, voilà, ils ont un peu la tête dans le derrière. Et ah oui, d'accord, c'était ça. Effectivement, il y avait. Bah donc ça c'est pareil, c'est comme les petites qui étaient en nid tout à l'heure. Sauf qu'il y en a une, qui s'est échappée. Sauf que bah en fait, elles restent en nid 2-3 jours et après elles se barrent et puis elles font des toiles chacune de leur côté. Et donc là voilà, elle s'est barrée de leur nid. Alors du coup tiens, je vais en profiter, je vais vous montrer un truc que je trouve assez kiffant et qu'on n'utilise pas souvent. Donc là je pars dans Photoshop. Je suppose qu'il y a des utilisateurs de Photoshop parmi nous. Parce qu'on me dit toujours voilà, je fais tout mon retravail photo à l'intérieur de Lightroom. Pourquoi j'irais utiliser Photoshop? Je vous montre un truc qui a débarqué il y a pas si longtemps que ça. C'est la sélection par zone de mise au point. Je sais pas si vous le connaissez, celui-là. La zone de mise au point, en fait, je vais lui dire, regarde un peu cette image-là. Et sur cette image-là, hop, je peux zoomer, hein, parce que comme ça, on voit bien ce qui est en train de se passer. Je peux lui dire, va sélectionner, en fait, tous les éléments qui sont nets sur la photo. Ouais. Et débrouille-toi pour aller trouver, pour aller rajouter, en fait, un petit peu de mise au point. Et pour pouvoir, du coup, ici, on va rajouter cette partie-là. On commence à être un petit peu flou là-dedans. Mais du coup, on va pouvoir beaucoup plus facilement trouver la netteté juste sur mon araignée. Tout à l'heure, j'ai mis juste un coup dessus pour pouvoir la récupérer. Et ça vous donne une bonne base pour gérer ça. Je
peux lui demander d'adoucir le bord, ouais, et du coup de retrouver de la netteté sur notre contenu. Ça, c'est pas toujours facile quand on commence à avoir beaucoup de plans. Et je sais que sur la macro, c'était un des petits trucs que j'aurais bien aimé que j'avais l'intention de montrer. Donc voilà, réinitialiser, cool. Hop, là il me choisit donc la page. Ça remet de la netteté, mais en fait, sectorisé. Ça te choisit, en fait, c'est pas que ça va te remettre de la netteté, ah, ça te sélectionne. C'est que ça va me sélectionner les éléments par rapport à leur plan, parce qu'il y a des trucs qui sont pas faciles à détourer ou à attraper. Et là, il va vraiment le faire par rapport au point sur la photo. Okay. Il va te dire de combien de pixels, enfin de quelle valeur par rapport à la sélection, il va aller gratter. Hop, on va lui demander d'aller un petit peu plus loin que ça. Flash de netteté, vas-y, choisis. Tu vois, là, il me fait des trucs assez précis. Ouais. Et il est capable, du coup, de retrouver, en fait, le piqué de la photo originale. Ouais. Donc, si tu as fait une mise au point assez correcte, il y a largement moyen. Alors là, on va peut-être monter à 8 points. Là, j'ai tout. Là, j'ai tout le monde. Et après, je vais pouvoir diminuer, je vais pouvoir améliorer un petit peu. Et choisir, justement, est-ce que c'est une image sur laquelle il y a beaucoup de bruit ou pas. Et comment on va pouvoir focaliser là-dessus. Incroyable. Ouais, donc là, c'est pas mal. Par exemple, si on veut rééclairer le fond ou justement l'assombrir. Bah, tu vas aller la piocher. Hein. Voilà. Ah, super. J'essaierai. Daniel, j'en ai pas parlé, non. Il demande pour les réglages de mon appareil. Je suis rarement en manuel. Je suis souvent effectivement en automatique sur l'exposition. Non, sur l'ouverture, pardon. Donc je règle priorité ouverture. Voilà, exactement. Bruno, il me connaît. Et oui, priorité ouverture, comme ça je gère ma profondeur de champ, et après je règle avec effectivement la puissance du flash ou éventuellement la correction d'exposition directement sur l'appareil, éventuellement la sensibilité aussi si je suis vraiment dans le noir, quoique avec le flash normalement j'ai pas ce problème là, et j'essaye de rester dans une valeur d'ISO justement un peu faible pour pas avoir trop de grains et de bruit. Donc plutôt ça, ouais, le manuel, pareil, je trouve que pour les insectes, c'est un peu lent pour quand ils bougent vite, et donc du coup c'est facile de foirer une exposition ou quelque chose en étant en full manuel. Donc j'ai plutôt tendance à privilégier l'ouverture, moi, et donc comme ça je choisis l'ouverture que je trouve est quand même un des éléments les plus pas créatifs, mais un des choix créatifs justement les plus marqués, c'est le choix de la profondeur de champ. Après, la vitesse et tout ça, c'est pour le sport ou des trucs. Alors effectivement, si j'essaye de prendre une araignée sauteuse en plein vol, peut-être que j'irai en priorité vitesse et jouerai avec ça. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que du coup, comme je suis maintenant presque tout le temps au flash pour la macro, du coup, il est synchronisé au 250e. Donc, pareil, en fait, là, du coup, c'est plus ou moins du manuel, c'est que du coup, maintenant, je gère l'ouverture moi-même. La vitesse, elle est calée au 250e quand je suis au flash. Et donc après, je joue avec la correction d'exposition, la puissance du flash et la sensibilité en ISO. Quand je suis vraiment dans le noir ou que j'ai envie de je ne sais pas quoi, ou que mon flash ou que j'ai envie d'un jeu plus doux avec le flash, mais quand même que la photo soit pas trop sombre, etc. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense. Je pense que tu t'en es pas mal sorti. Alors, pendant ce temps-là, moi, je disais rien. J'étais en train de regarder un tout petit peu le truc. J'étais en train de retoucher son image. Alors, j'ai commencé par aller jouer dans l'histogramme parce que vous savez qu'on a dans Lightroom en haut à droite, pouf. Vous avez un histogramme. L'histogramme, il vous permet de retrouver, alors je vais mettre sur toute la photo, de retrouver les lumières qui vont être présentes dans la photo, et il va vous permettre de retrouver en fait tous les réglages de base de votre Lightroom. Donc l'exposition, le contraste, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'attraper directement ici. Je sais pas si vous voyez, en dessous, c'est écrit expo, ombre, noir, blanc, et de le faire du coup de manière complètement visuelle, dynamique. Et si je le fais avec la souris. Si je le fais avec la souris, ça va se passer peut-être un petit peu mieux que si je bouge n'importe comment. Mais vous voyez, je bouge l'histogramme, ça affiche ici
la manière dont il a bougé, juste la valeur d'exposition. Ça me permet de retrouver, d'avoir un meilleur réglage de ça. Et ce que vous pouvez voir aussi, et ça pareil dans la catégorie les trucs importants à bien comprendre avec Lightroom, c'est qu'on a un historique sur nos photos. C'est-à-dire que je peux revenir dessus, je peux changer ici mon recadrage, etc. Et voir, là vous le voyez là-haut dans la petite vignette, les différentes étapes et les différents essais que j'ai pu faire. Parce que peut-être que je peux tester un réglage et me dire ouais c'était super, puis finalement non, avant c'était mieux, et avant j'avais un meilleur rendu, ou j'avais voilà, j'avais quelque chose qui me correspondait un tout petit peu mieux en termes de finesse. Et pour répondre à Vadim, ouais, on en a parlé au début, et pour moi ouais, je préfère une focale fixe de bonne qualité plutôt qu'un zoom, ouais, particulièrement pour la macro, ou même si le zoom a l'air tentant parce qu'on peut se rapprocher ou s'éloigner et tout ça, en fait le zoom, je trouve que c'est plus adapté pour faire ce qu'ils appellent de la proxy, qui est donc pas du ah bah là voilà la puce sous la pluie. Ah, c'est une puce ça. Ouais. Et donc oui, pardon, pour en revenir au zoom, je trouve oui, donc ce qu'ils appellent le proxy, c'est en fait c'est pas de la macro parce qu'on se rapproche pas autant et on n'a pas un rapport de 1 pour 1, mais par contre en fait, c'est on prend quand même des insectes et des petits éléments qu'on met plus en scène en fait, puisque du coup on leur donne un contexte un peu plus large, et donc ils appellent ça de la proxy parce que c'est, on est à proximité, je suppose. Ça semble pas, même s'ils écrivent ça avec un Y, il me semble, bref. Et donc c'est là, le zoom est assez utile parce qu'on va pouvoir justement vraiment jouer avec le contexte et cadrer en fonction. Et donc c'est plus pour ça. Et sinon oui, pour un meilleur piqué, je trouve que la focale fixe est mieux. Voilà cette petite puce que j'ai publiée ce matin. Ouais. Et alors pour ceux qui connaissent pas aussi un peu, on y reviendra après dans la bibliothèque, j'ai pris une fleur qui est vraiment super jolie, qui s'appelle la nigelle de Damas. Alors elle est avant ou après? Elle est à la fin, je pense. Non, alors ça c'est tout. Là c'est dans la dernière, ouais, j'ai les 300. Alors non, je ne sais pas. Ah oui, mais alors du coup c'est peut-être dans le désordre, je ne sais plus. Mais alors du coup j'ai un doute. Non. Bon, voilà, la nigelle de Damas. Parce que là j'ai tout et j'ai rien filtré. T'es perdu. Trié, alors je vais les mettre par heure de capture. Voilà. Si c'est à la fin, tu dis trouveras peut-être mieux. Bah non, parce que du coup. Ah bah non, bah il n'y a peut-être pas le dernier jour alors. Parce que c'était après les araignées, ouais, les autres. C'est... Mais non, parce que. Oui, où sont les chevaux? C'est pas faux. Attends, mais si, j'ai filtré là. Ah, voilà. Est-ce que j'ai filtré là? Je ne sais pas. Non, j'avais pas filtré. Non, bon bah. Je crois que c'était avec la session chevaux. Ou après, bon bref. C'est une punaise, pardon, bravo Sébastien, oh là là. C'est pas une puce. C'était pas une puce, c'était une punaise. Heureusement qu'on a des spécialistes. Sébastien aussi, un collègue. Ah bah là voilà, la nigelle de Damas. Wow. C'est hyper beau. J'ai la chance d'avoir un jardin et la chance d'avoir une femme qui adore les fleurs et qui du coup a fait des jolies choses dans notre jardin et qui du coup attire plein d'insectes. Donc j'ai pas besoin d'aller très loin pour prendre la plupart, hein, la plupart de ce que vous voyez, à part les quelques-unes qui viennent de donc dans, qui étaient en forêt, juste pour justement trouver des insectes que j'ai pas dans mon jardin, comme la mouche scorpion ou l'hémipanthès mori de tout à l'heure, la mouche noire. Et les quelques araignées aussi qui sont pas forcément qui préfèrent plus les bois. Sinon, la plupart des photos que j'ai là, en tout cas, viennent de mon jardin. C'est le photographe qui va pas très très loin. Bah non, il y a pas besoin du coup. Avant, j'allais loin en fait, du temps où j'avais pas de jardin, j'allais dans des parcs ou dans des bois, et puis j'essayais de chercher et tout ça. Et c'est vrai que maintenant, du coup, j'ai plus de facilité forcément. Vadim, donc ouais, focale fixe. La préférence, moi je parlais donc au début du Sigma 105 mm macro que je trouve excellent et qui a l'avantage en plus de pas être très cher par rapport aux objectifs photo et vu la qualité du bijou, et après le 100 macro et de Canon est excellent. Nikon je connais pas, s'ils veulent m'envoyer du matos pour que je refasse la pub, ils sont les bienvenus mais je connais pas. Après il doit y avoir l'équivalent parce que globalement c'est un peu pareil. Voilà, moi je suis sur le 105 macro de Sigma qui est excellent, couvre à 2.8 qui est quand même vraiment bien, même si je suis souvent fermé plus pour la macro parce que sinon on a vraiment peu de zones nettes, et voilà. Et Daniel
Et ben alors c'est non, il y a beaucoup de sites, il y a un forum qui s'appelle Le Monde des Insectes, je crois, qui répertorie assez bien les tout, hein, que ça soit insectes, araignées, etc., etc. Donc il y a vraiment de tout, ou myriapodes, etc. C'est pas hyper facile de trouver le bon parce qu'il y a des listes, mais il n'y a pas forcément de liste en photo, donc il faut aller chercher. Après Google fait quand même du bon boulot en mettant mouche aile noire. Dans Google, il y a quand même des chances de tomber sur l'hémipenthèse dont on parlait tout à l'heure. Et après, il faut décrire au maximum bah, l'insecte qu'on a pris. Donc c'est pas facile. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure aussi un nom d'une araignée que Que justement, tu je n'avais n'ai pas pas. réussi à Voilà, j'ai pas identifier, à retrouver. retrouvé. J'ai pas. Je la vois souvent et pourtant j'ai pas retrouvé sur le net. Donc je ne sais pas. Voilà. Donc Stéphane dit qu'il y a un 105 macro chez Nikon aussi. Julien est partial et donc dit que Nikon est meilleur que Canon. Je pense que c'est voilà. Je veux bien tester. Hein. C'est chacun son Je pense que c'est pareil. Alors alors, juste pour rouge ou jaune, ça dépend ce que le vous aimez voilà comme puce. comme couleur. Voilà. Moi juste pour mon expérience du coup en argentique, je suis chez Nikon et j'étais chez Nikon du coup depuis longtemps puisque je l'ai encore mon boîtier. Et au moment de passer au numérique, j'ai regardé sur Internet encore, savoir justement est-ce que Nikon, est-ce que Canon, nanana, puisque moi du coup j'étais chez Nikon, j'avais pas beaucoup d'optique, donc c'était pas, il y avait pas un intérêt forcément énorme de rester chez Nikon. Et le meilleur et le seul argument que je trouve valait la peine sur le net que j'ai trouvé, c'était que en gros c'est pareil et que l'idée c'était de prendre la marque la plus répandue autour de nous. Donc si vous D'accord. avez plein de potes qui ont des Nikon et qui ont Et plein qui sont d'optiques prêts à Nikon, partager. voilà, du coup autant acheter Nikon et comme ça on peut essayer des optiques chez eux même s'ils veulent pas les prêter, ce qui est possible parce que c'est quand même difficile de prêter un caillou C'est pas même si ça se simple, fait, hein, ouais, c'est vrai. mais du coup, voilà, si vous avez plein de potes ou plein de gens dans votre entourage qui ont des optiques Nikon et qui veulent bien vous les faire essayer, et ben achetez un Nikon et comme ça au moins vous allez pas dans le flou. Non, blague. Un peu. Oh, allez, allez. Ouais, moi c'était pas ouf. J'essaye de Ouais, limiter. Mais je suis pas à ton niveau, effectivement. je suis pas à ton niveau. Je suis pas réveillé peut-être. Et à l'inverse, si vous avez plein de gens dans votre entourage qui sont sur Canon et qui ont des optiques Canon, foncez sur Canon et comme ça vous testez, etc. Moi, il y a Bruno donc qui est là sur le chat et qui était chez Canon avant moi et qui du coup me permettait d'essayer des optiques. Au boulot, on est chez Canon et donc pareil, ils ont le 100 macro et le 180 macro et donc j'ai pu essayer des trucs. On a aussi effectivement le 65 MPE là dont parle Frédéric. Qui est très bien pour faire des insectes morts un peu hein, parce que comme il y a pas de mise au point, c'est tout à l'approchement parce qu'en fait il a juste une bague qui permet de se rapprocher encore plus. Donc c'est pas évident de prendre des insectes sur le vif, c'est même plutôt impossible. Par contre effectivement sur des insectes soit endormis soit morts, si vous avez trouvé des insectes morts dans votre jardin ou sur le pavé, il y a moyen de faire des ou alors prendre des mécanismes ou des clés USB ou des voilà se rapprocher vraiment de la matière. Le 65 il est assez fou parce qu'il fait du 5 pour 1 lui au maximum. Il commence au 1 Merci. pour 1 et il va jusqu'au 5 pour 1. Donc Ça commence à faire des effectivement belles bêtes, voilà ouais, comme dit Bruno c'est une loupe. c'est Et on peut faire des fonds d'œil aux insectes effectivement. Mais des aux fonds de insectes facettes. ouais des fonds de facettes. Mais des insectes soit morts soit vraiment endormis parce que c'est un peu fou. Voilà. Donc Tout à et fait. du coup encore une fois, comme je suis sur Canon parce que je connaissais des gens sur Canon, j'ai pu emprunter le 65 au boulot, j'ai essayé sur des insectes vivants, j'ai vu que c'était quand même globalement relativement impossible. Parce qu'il n'y a pas d'autofocus et parce qu'il y a un moment où il faut s'approcher sans arrêt. Faudrait que je réessaye au flash. J'avais pas essayé au flash, donc peut-être que ça peut jouer. Voilà. En attendant, le 100 macro de chez Canon, il est top. Le 105 de Sigma est excellent. Et donc apparemment, le 105 Nikon est génial. Même s'il ouvre un 1.4 et pareil, comme dit Bruno, 1.4 en macro. Faut pas vouloir voir trop de trucs en net parce que du coup on va avoir
tout petit, petit. Tout à fait. Non, bah on est pas mal là. On est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste comme question encore à prendre ? Sigma est très bien, mais un peu faible niveau moteur focus. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement. C'était en termes de vitesse, ouais, de... En vitesse d'autofocus, c'est un petit peu plus lent que Canon, même si leurs nouvelles gammes sont vraiment bien et du coup, il faut aller vers la série sport. Si on veut si on veut vraiment de la vitesse et de l'autofocus rapide, je sais que les sérielles de Canon sont vraiment toujours surprenantes au niveau vitesse. Nikon, je connais pas apparemment. Je crois que Julien il bosse chez Nikon en fait. Tu penses? Ouais, peut-être. Non, il est peut-être juste fan. Ouais, non, je pense, mais comme voilà, moi je suis pas fan de Canon. Alors Dag, si Canon nous regarde, mon 70D fait des cartes mémoire qui ne se lisent nulle part ailleurs que sur le 70D. Donc si vous avez une solution pour moi, je suis preneur. Ouais. Sinon c'est un super boîtier et je suis vraiment fan, et notamment aussi parce qu'il fait de la vidéo en très bonne qualité. Alors pas en 4K, mais par contre il a l'avantage d'avoir un autofocus assez cool en vidéo et du coup c'est assez plaisant. Et alors à quand des vidéos d'insectes? Bientôt. J'y pense en fait à chaque fin de session. C'est-à-dire qu'à chaque fois je vais prendre plein de photos puis je me dis ouais, il faudrait Mais que je fasse celui-là, des il aurait vidéos, été bien ouais, en voilà. bougeant et tout. Ouais, mais non. Après, je sais, j'ai pas encore testé, justement, il faut que je teste avec l'autofocus pour voir si j'arrive à suivre un petit peu, puis voir comment ça joue, au niveau lumière et tout ça, parce que du coup, je serai sans flash. Donc, voilà, à voir. Julien, Nikon Forever, bah, oui. Voilà. Tout à ouais, fait. Canon, il pourrait m'envoyer un nouvel appareil, je suis bien d'accord. Exactement, vous il devrait faire ça à chaque et fois. Un nouvel objectif aussi peut-être, parce que du coup maintenant que j'ai fait une pub démente à Sigma, où Sigma peut m'envoyer des objectifs aussi, je voudrais tester le 150-600 moi, si c'est possible, parce que je pense que ça peut être bien pour les animaux, peut-être pas pour la macro mais pour de l'animal, parce que je fais de l'animal aussi. Tu fais de l'animal, mais on fera une session spéciale animaux. Bon, bah merci. Je vais m'installer là. Merci à toi. Bah merci à toi aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ces échanges très productifs sur la partie matérielle, mais aussi un petit peu logicielle sur toute la question justement de la mise au point, de la gestion des couleurs, de la gestion du rattrapage. Et puisque je vous dis gestion des couleurs, pour ceux qui nous suivent régulièrement, la semaine prochaine, je reçois Hervé Petit, qui est un spécialiste de chez X-Rite et qui va nous montrer deux choses. D'habitude, quand on vous parle de calibration, on vous parle de calibration d'écran, donc la sonde qui se pose dessus, où en gros, il y a un petit manuel, vous le suivez à la lettre et ça marche tout seul. Et ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va venir avec les chartes de calibration lors de la prise de vue, qui devrait vous faire gagner pas mal de temps. Donc pour ça, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, quelque part en bas. Voilà, vous revenez, vous nous suivez. On vous redonnera donc les annonces, le programme au fur et à mesure, sur le bruit, sur le Twitter d'Adobe France. Merci beaucoup, de Francis, rien. Pour ton intervention. Si pour vous avez mon t-shirt, jouets. Ils sont dispo chez Society6. Society6, et rassure-moi, il y a bien le lien sur ta page. Probablement pas. Il n'y a pas le lien sur ta page, mince. On rajoutera le lien des Watercolor Animals. Ouais, les Sketchy Animals, toute la famille, presque toute la famille est sur le site maintenant. Et ceux qui manquent, je vais les rajouter bientôt. Bah oui, il faut. Voilà. Check. Sketchy Animals. Tout va bien. Non, mais je suis pas dessus, mais c'est pas grave. Les gens ont les liens. Ah oui. Et non, pardon, t'inquiète, regarde. Je vous montre parce qu'il avait peur que je puisse pas vous montrer. Je C'était pour vous poster des petits liens tranquilles et tout. Enfin, faire ma life. Voilà, le voilà. Hop. Il est là. Donc si vous aimez ça aussi, c'est d'autres animaux, ça prend plus de temps peut-être à faire. Ouais, un peu, ouais. Mais ils bougent moins. Ils bougent moins, ouais. Ils bougent beaucoup moins. Allez, merci à toutes merci et à tout tous. Le monde. Merci à toi, Cassis. Et puis on se retrouve très prochainement. Et bienvenue à ceux qui arrivaient seulement pour le replay. N'hésitez pas, on a des commentaires aussi et parfois on y répond. Allez. On a pas mal répondu. On était bien. Merci, au revoir.